Rebonjour à tous. Donc, désolé pour ce petit retard. Ça va être les joies du direct. Il est 16h12. On avait annoncé 16h. On avait prévu sur ce créneau une rencontre entre Natacha Vazder, la présidente du festival Hypermonde, et moi. Pour l'instant, Natacha essaie de se connecter avec nos techniciens. Donc, on s'est dit que de toute façon, on n'allait pas vous faire attendre plus longtemps et que on allait quand même vous présenter le festival Nice Fiction, puisqu'on va vous accompagner tout au long du week-end. Donc, cette petite présentation va pas faire de mal, même si c'était pas le format qu'on avait prévu au départ. On voulait vous parler de deux festivals en même temps, tant qu'à faire, donc Hypermonde et Nice Fiction. Bon, je vais un peu commencer par Nice Fiction. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, et normalement personne ne me connaît, je suis Sybille Marqueto, la présidente de l'association Nice Fiction, et on organise depuis 2015 le festival Nice Fiction. Donc c'est un festival normalement présentiel sur le campus universitaire de Saint-Jean-d'Angély. Et cette année, à moins que vous soyez resté dans une grotte depuis 6 mois, vous n'avez pas loupé le fait que tous les festivals ont été annulés jusqu'à la fin de l'été. On avait deux possibilités, soit se dire, bon, tant pis, on fera ça l'année prochaine, ou comme des dingues, on avait 2 mois pour décider de faire un festival 100% virtuel. Donc, Nice Fiction, depuis le début, ça a été un festival un petit peu particulier parce que par rapport à d'autres structures qui ont besoin, on va dire, qui dépendent d'argent qui arrive d'entreprise ou de mairie ou de subventions, elles ont besoin, malgré tout, on est quand même dans un monde un peu commercial avec une certaine rentabilité, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ce qui est normal. Et on a la chance à Nice Fiction d'être accueilli par un campus universitaire qui en fait n'attend pas de prestations en retour. Donc, l'avantage de Nice Fiction, c'est cet accueil en fait dans un cadre qui nous permet vraiment de faire tout à fait ce qu'on veut. Alors, on est limité, bien sûr, en moyens, puisque quand on fait ce qu'on veut, il y a moins d'argent qui rentre, donc moins de possibilités sur certains plans. Mais en même temps, on peut se permettre d'explorer des formes et des concepts que d'autres festivals qui ont plus de comptes à rendre auraient plus de mal à développer. Donc, on s'est dit cette année, soit on annulait tout, soit on fait, on continuait sur un mode virtuel, puisqu'on pouvait se le permettre. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, pour imaginer les choses, on a découpé le festival en différentes catégories en se disant qu'est-ce qu'on trouve dans un festival? Donc, on trouve des expositions, on trouve des tables de jeux, on trouve des conférences, on trouve des tables rondes, on trouve des rencontres avec les auteurs. Sur la partie rencontre avec les auteurs, c'est sûr, aucun d'entre vous ne sortira du festival à la fin du week-end avec des livres dédicacés ou des selfies avec leurs auteurs préférés. Ça, je pense que c'est vraiment la limite qu'on n'a pas pu franchir. Par contre, au niveau des expositions, on a décidé d'utiliser des outils qui permettent de la 3D. Donc, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil que d'avoir les œuvres en face et tout ça, et de pouvoir parler avec l'artiste sur son stand, mais c'est pas mal et c'est plutôt, enfin, on a eu des bons retours et je pense que c'est plutôt sympathique. Sur la partie table de jeu, alors il y a le jeu, c'est vaste, c'est les jeux de société, les jeux de rôle. Donc clairement, le jeu de société dématérialisé, il y a des plateformes pour ça, mais dans le cadre de ce qu'on voulait faire, c'est pas évident, évident. Par contre, les tables de jeux de rôle, il suffit de se parler pour pouvoir jouer. Donc, on a prévu un serveur Discord dédié aux tables de jeux de rôle. Donc, si vous êtes rôliste, si vous n'avez pas encore regardé, c'est le moment d'aller voir, peut-être de vous inscrire sur une table ou de proposer vous-même une table en tant que maître de jeu. L'avantage du serveur Discord, en fait, c'est que ça permet d'autres choses, c'est-à-dire notamment accueillir des ateliers, des stands, des rencontres. Alors oui, voilà, il n'y a pas la dédicace, il n'y a pas le selfie, mais ça n'empêche pas de rencontrer son auteur préféré, ça n'empêche pas de poser des questions sur des œuvres de littérature, sur des œuvres de jeux de rôle. Donc le serveur Discord vous accueille tout au long du week-end. Il y a quelques stands pour ça. On vous invite à les découvrir. Et après, restait la partie table ronde, conférence. Donc, sur la partie table ronde et conférence, il faut pas se leurrer. Je pense que le confinement a changé pas mal nos habitudes au niveau de la visioconférence parce qu'il y a quelques mois, quelques années, quand on disait aux gens, allez, on se retrouve tous en visio, il y avait quand même un petit blanc. Je dis pas chez tout le monde, mais chez la plupart, il y avait un petit blanc. Après 2 mois de confinement, quand on a dit à nos intervenants, c'est bon, on se retrouve en visioconférence, il y a eu quand même beaucoup moins de blancs et il y a eu beaucoup plus d'enthousiasme. Donc, tout au long du week-end, on va vous proposer des tables rondes et des conférences.
Voilà, tout simplement. Le planning est accessible sur le site. Donc, faites attention. Donc, pour pouvoir avoir deux streams qui marchent en même temps, on a choisi d'utiliser deux comptes séparés, c'est-à-dire d'une part les comptes de Miss Fiction et d'autre part les comptes du Club UCA des Imaginaires, qui est co-organisateur de l'événement. Donc, vous avez deux pages Facebook pour chacune de ces deux associations et vous avez deux comptes YouTube pour chacune de ces deux associations. Je me répète un peu, j'ai bien conscience. Afin de permettre l'interaction avec les visiteurs, parce qu'un festival, c'est des visiteurs, sinon c'est juste une chaîne devant laquelle on est passive, on a décidé de privilégier la communauté Facebook où je pense que nous avons beaucoup plus de suiveurs. Followers, puisque d'une part sur la chaîne Miss Fiction, au moment où on a ouvert le festival, on avait à peu près 75 abonnés, tandis que sur le compte Facebook, on en avait plus de 1500. Donc tout au long du week-end, vous pourrez choisir de participer à chaque table ronde des conférences, intervenir. Donc je me coupe dans mon élan et je vois que dans les commentaires, justement, actuellement, donc les commentaires sont ouverts sur la page Facebook. Donc, on interroge sur le jeu vidéo. Alors, actuellement, il n'y a pas de jeu vidéo à Miss Fiction. Il y en a eu de mémoire les deux premières années. On a fait un peu de rétro gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival est conçu par module et dépend beaucoup, en fait, des associations, des bénévoles, de ce qui leur tient le plus à cœur. Donc, on n'est pas une structure pyramidale où un chef décide que cette année il va y avoir ça et ça. On essaie vraiment de rassembler les bénévoles à travers, on va dire, bon, principalement bien sûr la région, mais à travers la France en général. Et chaque bénévole arrive avec son projet, avec ses envies. Au niveau du jeu de rôle, dès la première édition, on a eu le club de jeu de rôle, le C'est pas drôle, qui a été tout de suite partenaire et qui est maintenant co-organisateur de l'événement. Donc, toujours, à chaque édition, on a eu du jeu de rôle. Sur le jeu vidéo, eh ben, tout simplement, la porte est ouverte. Si dans les personnes qui nous suivent et qui trouvent le concept d'une fiction intéressant, il y a des personnes qui souhaitent s'investir dans le jeu vidéo, proposer une programmation autour de ce média, franchement, enfin, on vous accueille bien volontiers. Alors du coup, ben, j'en profite, hein. Si vous avez la moindre idée, la moindre envie, quelque chose à proposer tout au long de l'année, vous nous écrivez tout simplement sur contact@nice-fiction.fr et voilà, toute l'année, on accueille vos idées, vos suggestions. Le festival est vraiment collaboratif, c'est-à-dire qu'il contiendra ce que chacun d'entre nous y apportera. Donc c'est vraiment un festival de nous, pour nous, au sens ben, le plus complet du terme. Donc voilà, si vous pensez qu'il manque quelque chose à Miss Fiction, c'est que vous pouvez l'apporter. Et donc du coup, je me répondais à la question, je suis coupée dans mon élan, mais c'était un bon exemple, voilà, de la façon dont on souhaite intervenir tout au long du week-end. Donc vous posterez vos commentaires sur Facebook et un modérateur les remontera à l'animateur qui sera en ligne et qui pourra vous répondre. Donc voilà, privilégiez les commentaires Facebook pour pouvoir participer, interroger les intervenants, les conférenciers. Après, bien sûr, toutes les vidéos, tous les streams seront disponibles en replay tout au long du week-end. Donc bien sûr, là, vous ne pourrez plus intervenir, mais vous pouvez quand même regarder un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, parfait. Donc, ben voilà. Bienvenue, Natacha Vasder, présidente du Festival Hypermonde. Donc, en t'attendant, je t'avoue, ben voilà, j'ai présenté Nice Fiction. Du coup, ce sera Oui. pas tout à fait le format qu'on avait prévu où on allait échanger autour mutuellement de nos deux festivals. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être qu'après. Donc, je vais plutôt te laisser la parole et peut-être qu'une fois que toi, tu auras un peu dit ce que tu avais à dire, on reprendra la parole commune. Donc, je te Oui, laisse très déjà te bien, très présenter. bien. Voilà. OK. Donc, Donc Natacha. bonjour à tous. Désolé donc désolé pour ce contretemps. Je pense qu'on a des voilà, c'est les contraintes du direct. On a des problèmes aussi de compatibilité entre les applications, les logiciels. Voilà. Donc je pense que ça vient essentiellement de là. Nous avions prévu avec Sybille en fait de faire une sorte de portrait croisé de nos deux festivals donc régionaux. Nice Fiction existant quand même depuis maintenant de nombreuses années, mais cette année, effectivement, vu la situation, ils sont passés donc en festival virtuel. Et moi, je trouve d'abord que c'est très courageux de leur part, parce que Fou, fou, c'est pas c'est le du mot que tu tout, cherches. voilà, C'est complètement parce que fou.
C'est pas du tout, c'est très difficile. Alors, on a testé évidemment beaucoup de formules de ce type-là dans la recherche universitaire. Alors parfois, effectivement, avec des difficultés, comme vous pouvez le constater. Mais donc, ça veut dire que l'offre culturelle est en plein renouvellement actuellement pour justement ben, vous faire partager tout ce que nous avons pu tout ce que nous avons pu programmer cette année. Voilà. Alors cette année, il devait en 2020 nous avions décidé à Bordeaux, avec une équipe d'une quinzaine de personnes, de créer un festival de l'imaginaire, peut-être un petit peu plus centré cette année sur la science-fiction, mais de toute façon, on ne s'interdit pas quelques petites sorties, évidemment, vers la fantaisie du tout, ni vers le fantastique. C'est vraiment un festival de l'imaginaire. Pourquoi à Bordeaux? Bah, tout simplement parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait strictement rien. Quand vous regardiez la carte des festivals sur toute la France, mais une seule région où il n'y en avait pas du tout, c'était la nôtre. Donc nous avons décidé de créer ce festival avec plusieurs acteurs donc de la science-fiction et de l'imaginaire donc à Bordeaux. Ça va être par exemple des éditeurs, des libraires, dont la zone du dehors et Mola par exemple, qui est une des plus grandes librairies, si ce n'est la plus grande librairie donc actuellement en France. Et puis nos deux universités, parce que ça fait longtemps que nous travaillons à l'université Bordeaux-Montaigne, donc en sciences humaines, sur la science-fiction, avec quelques programmes de recherche. Et puis là, l'université de Bordeaux, en fait, nous suit via un programme de recherche avec le laboratoire d'astrophysique. Et je suis intervenue très souvent avec des collègues scientifiques sur l'intelligence artificielle, la robotique, et évidemment les liens avec les représentations de la science-fiction. Voilà, donc Hypermonde devait se dérouler également cette année à la médiathèque donc de Mérignac, une très très grande médiathèque donc de Bordeaux Métropole. Nous avions une programmation, mais nous allons la garder évidemment pour 2021, d'artistes qui viendraient, artistes plasticiens, artistes, donc c'était des sculptures en métal, puisque la thématique en fait du festival cette année était consacrée aux robots. Alors pourquoi les robots? Eh bien tout simplement parce qu'en 2020, c'était l'année de la robotique donc à Bordeaux, qui accueillait la RoboCup. Alors je ne sais pas, Sybille, si je dois dire un mot sur la RoboCup, Ben oui, quand sinon. même, parce que Hein? enfin, je veux dire, partons quand même du principe, c'est vrai qu'on n'a pas une diffusion très très large, et je pense pas que voilà que tous nos auditeurs, tu vois ce que je veux dire, connaissent vraiment tout Absolument. le C'est voilà. pour ça que Donc c'est pour ça que je ouais, te voilà, demande. pour mieux vas-y. Tout à fait. Alors la RoboCup, en fait, c'est une compétition internationale de robotique qui va mettre en lice à peu près 5 000 équipes donc de chercheurs en robotique, qui sont donc des équipes internationales. Alors évidemment, c'est pas du tout les robots que la science-fiction vous propose, des robots totalement humanoïdes, achevés, voilà, emplis d'intelligence artificielle. C'est plutôt je dirais des robots assez petits, qui font à peu près, vous voyez, cette taille-là, qui sont capables de se déplacer sur un petit terrain de football, hein. En général, ce sont des compétitions de voilà, de foot, enfin avec une balle en tout cas. Et du coup, ben c'est une compétition où les gens travaillent pendant à peu près une semaine. Ils dorment sur place, ils sont complètement cédés. Alors, il y a différentes formations. Ça peut être, par exemple, des IUT, par exemple, des universités, des instituts technologiques, hein, puisque, encore une fois, c'est un événement international. Et nous avons à Bordeaux, donc, le laboratoire, en fait, de robotique. Eh bien, à l'université de Bordeaux, c'est la troisième fois, en fait, qu'ils remportent, donc, la compétition internationale. Et ils ont demandé à Bordeaux et à la région donc de Nouvelle-Aquitaine d'accueillir donc cette année cette compétition, et nous nous sommes dit que c'était peut-être une bonne idée pour conjointement créer le festival qui avait donc pour thème robots, les robots, la robotique, l'IA, parce que c'est un thème majeur donc dans la science-fiction. Nous étions aussi associés avec le cinéma pour proposer donc une programmation spécifique donc autour des robots, et puis des débats qui auraient mêlé en fait la science et la science-fiction. Mais je crois, Sybille, que c'est un petit peu la particularité aussi de Nice Fiction, il me semble. Je pense, c'est ce que j'allais un peu intervenir. J'ai l'impression, enfin moi, ça fait des années que
que j'ai le sentiment qu'entre Bordeaux et Nice, de toute façon, il y a des liens forts. C'est un peu les deux villes du Sud où il y a une grosse communauté d'imaginaires et geeks. On a toujours été, de toute façon, on se connaît tous. J'ai presque envie de dire, on fait partie de la même famille. Après, alors je sais pas si c'est le hasard ou, enfin, les choses un peu dans, les choses sont jamais vraiment le hasard, mais l'université de Bordeaux et l'université Côte d'Azur, c'est deux universités qui ont un IDEX. Donc une forte volonté d'innovation. Donc je pense que en fait ça nous baigne et il me semble que Nice-Bordeaux, c'est pour ça un peu que j'ai titré cette rencontre Bordeaux-Nice. Pour moi, c'est vraiment les deux villes qui représentent l'imaginaire dans le sud de la France. Je vais juste faire une petite aparté parce qu'on a eu un commentaire Facebook qui nous interrogeait. Oui. En fait, c'est vrai que j'ai attaqué d'emblée, donc en t'attendant, et en partant un peu de l'idée que tout le monde savait ce que c'était qu'un salon de l'imaginaire. Et en fait, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que par exemple, sur Toulouse, il y a les games. Alors, je vais m'embrouiller, je vais dire une bêtise, les Toulouse Game Show et les trucs comme ça. En fait, il y a plusieurs salons geeks à travers la France et les festivals d'imaginaire sont un poil différents. Alors, dit comme ça, c'est le bon chasseur, le mauvais chasseur. Enfin, on ne sait pas trop où je veux en venir. Et c'est vrai qu'il y a deux façons d'aborder, on va dire, ce genre d'événement. Il y a d'un côté des gros événements avec des invités, on va dire, plus des acteurs, des comédiens, des influenceurs qui viennent, qui font beaucoup de séances photos, dédicaces et tout ça. Et les festivals imaginaires, je pense que tu me rejoindras comme ceux qu'on organise comme Hypermonde ou Nice Fiction, on est quand même beaucoup plus axé sur, on va faire venir des chercheurs, on va mélanger la littérature et la science, on va faire peut-être plus de conférences. Donc, c'est à la fois comparable, c'est toujours un événement pour des fans d'imaginaire, mais je pense qu'on n'aborde pas du tout nos programmations et nos événements comme les abordent, on va dire, ces gros moments, on va dire, où il y a beaucoup d'objets à vendre, il y a des goodies et tout ça. Je pense que... Je te rejoins tout à fait, Sybille, parce qu'à Bordeaux, nous avons donc notre festival qui s'appelle le BGF ou Bordeaux Geek Festival, qui est très différent en fait du nôtre. D'ailleurs, nous sommes depuis très très peu de temps en fait partenaires, et on n'est pas, si j'utilise un terme un peu commercial, on n'est pas sur le même segment en fait, voilà. Parce que ces festivals, ça peut être des festivals de jeux. Nous, au Bordeaux Geek Festival, ils sont quand même très branché tout ce qui est manga, animation, jeux vidéo. Donc effectivement, tu avais parfaitement raison en faisant venir par exemple des youtubeurs, en faisant intervenir des acteurs de séries. Et donc c'est vraiment les interventions qu'il y a sont des interventions qui sont faites parfois par ou des professionnels ou des amateurs d'ailleurs, mais pas forcément avec la coloration universitaire. Et c'est un peu différent. Il y a beaucoup beaucoup de boutiques qui vendent des goodies, des petits objets. C'est pas du tout la même offre. D'abord parce que le livre parfois n'est pas du tout présent. C'est le cas nous à Bordeaux. Et quand on crée un festival, ben comme le festival Nice Fiction ou le nôtre, je pense que la chaîne du livre est quand même présente parce qu'on va cibler sur des produits culturels, plutôt je dirais des produits de divertissement. Donc ces produits culturels, ben, c'est tout simplement le livre, et donc on va faire intervenir tous nos auteurs en France, et vous le voyez à travers la programmation de Nice Fiction d'ailleurs, vous avez beaucoup d'auteurs qui vont intervenir, des illustrateurs, de la bande dessinée. Donc on est sur quelque chose d'un peu différent, avec des conférences qui sont faites par des spécialistes, parfois des spécialistes donc universitaires, et on est sur une programmation qui est peut-être, je dirais, un peu plus scientifique. Je dis pas sérieuse hein, du tout, mais un peu plus scientifique. Sérieux, c'est pas possible. Voilà, non, sérieux, c'est pas possible. En fait, c'est pour ça que. Oui. En fait, je vais me permettre, je sais que des fois ça fâche, mais d'utiliser le terme intellectuel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous, par exemple, à Nice, oui. On a le Play Azur Festival, en plus, qui est fait par une personne très compétente, qui a une grosse formation scientifique, qui est Bastien Vergoni, donc un festival qu'on aime beaucoup, mais qui a choisi ben, justement plutôt une approche geek, avec quand même beaucoup de science. Et je pense que ces deux manières doivent coexister. C'est un peu comme les gens qui pensent qu'on pourrait manger que de la pizza ou que des hamburgers. En fait, dans la vie, il faut manger un peu de tout. Et je pense que c'est bien qu'au cours de l'année, on est vraiment, voilà, ces festivals plus geek. Alors, ça veut rien dire parce que c'est pas le mot, mais plus avec des comics, des mangas, des youtubeurs.
et qu'on ait en parallèle, bah, dans la même ville, un autre moment de l'année, un festival où on va avoir des universitaires. Donc voilà, c'est intellectuel, mais intellectuel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est l'université qui s'ouvre au monde et qui l'accueille dans ses rangs, ouais, et qui se met à sa portée. Donc pas du tout quelque chose de fermé où on n'a pas le droit de rentrer si on n'est pas du truc, mais au contraire, c'est l'université qui infuse, ben, le monde de tous les jours. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, je sais qu'on a des super bons contacts avec le Pleasure Festival, c'est une équipe très sympathique. Et en même temps, on est ce qu'on est, on n'est pas du tout la même chose. Et je pense que pour bien apprécier l'imaginaire, il faut découvrir les deux événements. Et je suis vraiment contente, en fait, que Hypermonde se soit créé à Bordeaux, parce que je nous sens en connexion forte. Et donc, je me dis, voilà, nous, on est comme Hypermonde. Hypermonde, ben, il y a le Bordeaux Geek. Nous, on a le Pleasure Festival. Oui. Plus on offre de choses aux gens, mieux c'est. Ça peut pas exister un monde où… Enfin, il faut jamais restreindre l'offre. Quand je t'ai contactée, tout de suite, tu m'as dit, on peut pas être en concurrence, et enfin, c'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que plus les amateurs d'imaginaire ont des offres différentes, avec des approches différentes, plus ils vont vivre des choses au cours de l'année qui va les stimuler, les faire rire, les encourager, tout ça, et plus on sera tous heureux globalement. Moi, clairement, j'avais acheté mon billet pour aller à Bordeaux. Enfin, j'avais bien l'intention d'être la première édition d'Hypermonde, quoi. C'était pas question. Oui, je sais bien, Sybille. Ce n'est que partie remise. Ah, ce sont, voilà, septembre 2021. Je suis à Bordeaux. Voilà. Voilà. Mais donc, tu resteras peut-être longtemps puisque il y a aussi, je crois, un troisième élément qu'il faut prendre en compte sur l'imaginaire. Ce sont les conventions. Alors, les conventions, bien sûr, ce sont des événements fermés, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire, on doit payer une petite somme d'argent pour pouvoir participer, parce que les conventions en général ne sont pas financées comme les festivals par exemple par des institutions culturelles ou politiques. Et donc dans les conventions, on va retrouver toujours un petit peu évidemment le même public, n'est-ce pas, Sybille? Voilà. Et donc à Bordeaux en 2021, on accueillera, alors non pas sur Bordeaux mais en fait sur Bergerac. Donc en Dordogne, hein, pour valoriser le patrimoine donc science-fictionnel de notre région, on va accueillir donc les gens à Bergerac pour une convention qui s'appelle Cyrano 2021. Et je crois, Sybille, que tu as aussi une équipe pour un très très gros projet qui se passera peut-être à Nice, et je l'espère évidemment fortement, concernant la convention. Donc ça aussi, c'est complémentaire. Oui, c'est vraiment. Je pense qu'à chaque fois, voilà, qu'on participe à quelque chose, qu'on s'entraide, qu'on profite les uns des autres, en fait, on s'améliore et on grossit. Je veux dire, on va toujours vers le mieux. Plus on est nombreux à faire des choses sympas, plus les gens déjà découvrent que ça existe. Parce que j'ai envie de dire, par exemple, là, typiquement, j'espère que des Niçois et des Bordelais vont se dire, ah oui, tiens, en plus, bon, je rappelle, hein, Nice-Bordeaux, c'est la navette, c'est quoi? Je crois que c'est 80 euros l'aller-retour. Donc, bon, oui. Enfin, j'ai envie de dire, ça se fait, hein. Enfin, c'est pas… Oui. Donc, voilà. Plus on est nombreux, plus on parle les uns des autres. L'année prochaine, de toute façon, nous, on a dit cette année, on fait un live. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, c'est sûr qu'à Nice Fiction, il y aura des streamings. Forcément, hein. On fait pas ça une fois. Donc, ça veut dire que peut-être l'année prochaine, certains intervenants de Bordeaux ou du reste de la France qui n'ont pas pu venir, par exemple, mettons toi, si tu peux, je préférais que tu viennes. Mais par exemple, si tu peux pas venir, on pourra quand même t'accueillir. Et ça, c'est, enfin, je trouve que y a vraiment une énergie positive qui se dégage à chaque fois qu'on se rencontre les uns les autres, qu'on fait nos promotions mutuelles. En plus, j'ai presque envie de dire, l'amateur d'imaginaire, il prend sa carte, il prend son calendrier et il peut s'amuser plusieurs fois par an. Donc ça, c'est super. Il y a une petite question que je voudrais te poser, parce qu'avant que tu arrives, du coup, j'ai parlé pour Nice Fiction. Nous, à Nice Fiction, on a un côté un petit peu, non, complètement dingue. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée qu'on allait expérimenter en permanence. Alors, comment… Tout à l'heure, je disais ça à quelqu'un, je pense qu'on a un peu des accros à l'adrénaline, c'est-à-dire que pour nous, chaque édition est différente et chaque édition, on essaie de faire des choses totalement différentes. Et alors, ça peut dérouter le visiteur, parce que s'il est venu une édition précédente, il se dit « Ah, mais je ne retrouve pas la même chose ». Et en même temps, ben nous, c'est à ça qu'on est nourri. Alors, de ton côté à Hypermonde, est-ce que vous avez ça dans votre ADN, ou vous avez
un autre, enfin une autre particularité, on va dire. Alors, la particularité, en fait, c'est que pour l'instant, nous allons travailler avec la médiathèque de Mérignac, mais bon, j'espère pour quelques années le temps d'installer l'événement. Il n'est pas dit qu'on ne le fasse pas sur un autre endroit de la Cube, parce que nous sommes aussi en partenariat avec un festival qui s'appelle le Festival Air et Espace, qui est présidé par Jean-François Clairvoy, qui est donc un de nos éminents spationautes français, alors qui est beaucoup plus ciblé en fait sur qui est beaucoup plus ciblé sur je dirais l'aéronautique et le spatial, puisqu'à Bordeaux nous avons un gros pôle évidemment avec aéronautique spatiale, avec Thalès, l'aérospatiale et puis Dassault. Mais depuis quelques années, moi je suis régulièrement invitée, ils ont envie de voilà, ils tissent vraiment des liens avec avec la science-fiction. Il y a quelques années, lors de la conférence inaugurale par exemple, Jean-François Clairvoy nous racontait, on était sur les liens entre l'espace et la science-fiction, lien très fort évidemment. Et Jean-François Clairvoy disait ah mais moi je suis devenue en fait je suis devenue spationaute parce que Star Trek, parce que voilà vers l'infini de l'espace, c'était quelque chose qui lui parlait beaucoup. Et il était un grand fan en fait de Star Trek. On s'interdit pas du tout en fait de travailler sur des formes différentes. Et je te rejoins tout à fait sur le côté adrénaline, parce que c'est à la fois très excitant de créer justement ces événements. Et quand les gens évidemment voient ces événements, ils sont contents d'être là, ils sont heureux. Et donner du bonheur aux gens, c'est quand même une belle chose. Et en même temps, pour nous, ça demande quand même une grande énergie, parce que on tient tous les fils en fait de l'événement. Donc c'est assez fatigant, mais en même temps voilà c'est très excitant et puis On est à coup, voilà. c'est plein de et puis je crois que ça donne aussi du sens parce que et Sybille et moi nous appartenons à une grande famille qui en France et puis dans le monde hein, qui s'appelle le fandom et le fandom c'est en fait tous les acteurs d'un domaine hein, fandom dom c'est ce que ça veut dire tous les acteurs d'un domaine que ce soit en fantasy ou que ce soit par exemple en science-fiction peut-être plus science-fiction là pour le coup. Et donc, qu'on soit universitaire, écrivain, chercheur, illustrateur, voilà, artiste, je crois qu'il y a vraiment un point commun qui va faire vivre en fait la participation à ces festivals. Et c'est ça qui provoque le plaisir, qui permet aux gens voilà, de venir et d'avoir un petit peu de bonheur, quoi. Ben, C'est ça. ouais, en fait, c'est une famille qui peut s'agrandir à l'infini, ce qu'on n'a pas, on va dire, dans une famille traditionnelle. C'est que, à partir du moment où on commence à apprécier l'imaginaire, l'ouverture d'esprit que ça apporte, qu'on commence à rencontrer les différents artistes, les chercheurs qui s'intéressent à ce domaine, on se rencontre, on s'apprécie les uns les autres, et très rapidement, on est nombreux à se connaître, comme si c'était naturel. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est, on dit toujours, tu sais, un village de 500 personnes, et en fait, théoriquement, une personne n'a pas 500 amis pour de vrai. Et parfois, je me dis, si, enfin, la plupart des membres du fandom ont 250, 300 amis pour de vrai. Enfin, Oui. il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans. C'est comment on peut, enfin, la façon dont on arrive à tous se lier. Et je pense que quand les gens viennent dans ces événements, les festivals comme les nôtres ou les conventions, eh bien, ils vont rencontrer cette famille et ils vont facilement s'y faire adopter. Oui, enfin voilà, l'adoption est famille dans cette famille. Et je crois que ça, c'est vraiment une ambiance particulière dont en plus on a besoin en tant qu'humain, parce que malgré tout, on le voit hein, dans l'actualité, les humains perdent un petit peu le rêve. Hugo Bellagamba, qui est un des fondateurs de Nice Fiction, a toujours parle souvent en fait de rêve, d'espoir. Il a un petit côté, c'est un peu notre muse hein, quand des fois on est découragé, il dit bon, mais regarde, c'est vrai, il a ce côté très lyrique et très poétique. Et en fait, quand il le dit, c'est vrai, c'est que on apporte du rêve dans un monde qui, en ce moment, surtout, est particulièrement gris. Et je pense que, en fait, réfléchir au monde de demain, c'est ouvrir des portes d'espérance. Le festival, cette année, on a choisi le thème du hop punk, donc hop comme l'espoir, hein, parce que, en fait, quand on s'enferme dans la grisaille, on voit plus de porte de sortie. En fait, il n'y a plus que le désespoir, enfin, au bout. Et je, voilà, je pense que la force du milieu de l'imaginaire,
c'est que justement, il ouvre beaucoup, beaucoup de portes, et des portes pour de vrai, parce que tu parlais de la recherche spatiale, mais pour avoir imaginé les fusées, pour les envoyer enfin, à l'extérieur, il faut sacrément avoir de l'imagination, quoi. C'est pas en achetant ton pain le matin que tu dis, tiens, j'ai envoyé une fusée dans l'espace. Donc, oui, ça c'est un grand débat d'ailleurs dans nos milieux, c'est-à-dire moi je sais que mes recherches là actuellement sont orientées plutôt sur les rapports entre science et fiction, et ça c'est un débat qui existe, hein, je veux dire qu'on travaille de manière extrêmement sérieuse, mais en l'élargissant. On se rend compte que les scientifiques d'abord adorent la science-fiction et qu'ils y trouvent quand même des idées. Donc le travail là, de théorisation qu'on essaie de faire, c'est de voir s'il est possible, depuis on va dire les débuts de la science, de voir est-ce qu'il y a un rapport de réciprocité justement entre l'inventivité de la science-fiction et la science. Est-ce que tout ce que la science-fiction va inventer, de toute façon elle se nourrit de science, la science-fiction, mais tout ce qu'elle va inventer, est-ce que finalement ça ne va pas donner des idées à des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques, et ça c'est une question qui pour l'instant n'a pas été abordée frontalement et de manière un peu exhaustive. Donc on va essayer de travailler ça aussi avec le laboratoire d'astrophysique. Voilà. Ben, c'est une super question qui en plus est totalement pertinente parce que quand tu vois, enfin, je veux dire, maintenant on a tous des smartphones, ben, c'est juste incroyable. Il y a quand même des gens qui se sont dit que c'était possible. Donc si ces gens-là ne sont pas des créateurs d'imaginaire, je ne sais pas ce qu'ils sont. Enfin, pour se dire, tiens, on va tous se balader avec un ordinateur portable dans la poche, il faut quand même être un sacré rêveur. Enfin, donc, oui, mais tu sais, la science-fiction depuis Star Trek, en fait, on avait des téléphones, tu vois, avec les vidéos, et donc la science-fiction avait inventé ça, et même bien avant, si on prend par exemple Albert Robida. Dans ses recueils d'illustrations, il avait déjà inventé le téléphonoscope, c'est-à-dire un téléphone où tu avais un écran et où tu pouvais, bah, comme on fait actuellement, où tu pouvais discuter donc avec ton correspondant. Donc c'est déjà la science-fiction invente ça, et ensuite ou l'anticipation, et ensuite on se dit ah mais pourquoi on réaliserait pas ça, c'est quand même génial comme idée quoi. La seule chose, je crois, que la science-fiction n'a peut-être pas complètement développée et prévue, c'est Internet. Là, du coup, c'est la réalité et l'invention du réseau qui a rattrapé, qui a dépassé en fait la science-fiction. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que voilà, si on me demandait de citer les inventions qui vraiment ont changé la vie, moi, Internet. Pour moi, c'est un truc, c'est magique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est presque du domaine de l'imaginaire. Tu te rends compte, bon, là, toi, tu es à Bordeaux, moi, je suis à Nice, on se parle normalement. Dimanche après-midi, on aura un auteur japonais. Enfin, je veux dire, quand on était petit... Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, pour moi, c'est... Internet, on vit dans le futur. Ça, c'est ouais, voilà, il y a quand même un côté, on est déjà dans le futur. On est complètement dans le futur avec Internet, quelle que soit la forme qu'ils prennent d'ailleurs. Oui, non, mais Internet, c'est le futur et ça nous permet d'imaginer. J'allais rebondir sur quelque chose et puis ça m'a échappé. En fait, quand tu étais en train de parler, en fait, effectivement, de la science-fiction qui a inventé les choses, et je me dis, les scientifiques, même s'ils se considèrent pas forcément comme tels, ce sont des rêveurs, et c'est vrai que sur le côté hop-punk, puisque maintenant on a un enjeu planétaire, on va dire, jusqu'à présent c'était bien d'avoir des téléphones et Internet, mais maintenant pour les générations futures, en plus toi et moi pareil, on a une génération future qui est derrière nous et sur laquelle on veut veiller, il faut qu'on fasse quelque chose pour la planète. Et Hugo dit toujours, hein, je recite Hugo, il dit toujours, bon, lui il aime pas trop les climato-sceptiques, il dit il est temps justement de recréer une nouvelle planète, c'est-à-dire une planète qui va être différente de la nôtre. Maintenant, enfin, je veux dire, il y a des étapes qu'on a franchies, on pourra pas retourner en arrière, mais plus on arrivera à rêver, plus on aura d'imagination et plus la nouvelle planète qu'on aura, ce sera pas comme l'ancienne, mais elle sera chouette. Donc je pense que chacun d'entre nous, on va dire penseur d'imaginaire, il est plus urgent encore qu'avant qu'on nourrisse nos scientifiques. C'est-à-dire qu'avant, c'était chouette de monter en technologie, sauf que maintenant, nourrir nos scientifiques de rêve, ça devient une question de survie pour l'humanité.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et pour revenir à la science-fiction, ce matin j'étais en direct avec Catherine Dufour pour le MOOC science-fiction. On était sur le dernier direct et c'était exactement le discours de Catherine qui disait bon, maintenant les auteurs essayent d'abandonner quand même ces visions désenchantées, dystopiques, enténébrées, puisque elle a commencé par ça dans les années 2000 pour sa science-fiction. Et Catherine, elle fait partie d'un collectif qui a été créé avec Alain Damasio et Norbert Merjanian, et puis il y avait un autre auteur que ça y est que j'ai zappé. Et donc c'est le collectif Zanzibar. Et en fait, le collectif Zanzibar, c'est vraiment pour essayer d'inventer finalement des récits. Ça peut être des micro-nouvelles, ça peut être tout un ensemble de récits collectifs aussi, ils travaillent collectivement, pour proposer aux gens des visions positives en fait du futur, et pas d'apocalypse, pas du cyberpunk, gangréné par des IA, des super entreprises qui ont pris la place du politique, etc. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un rôle de la science-fiction et de la littérature, de l'invention en fait, pour proposer véritablement une alternative. Ça, c'est évidemment un thème, je sais que vous aimez bien la science-fiction aussi. Voilà. C'est sûr, parce que comme tu le dis, on avait fait ces récits qui étaient noirs avec des grosses entreprises, la maladie et tout ça. Et maintenant, on est dans ce futur-là. Donc, autant ça pouvait faire peur et faire rêver autrefois, autant maintenant, c'est notre réalité, ça fait plus du tout rêver. Donc, il faut vraiment qu'on change notre vision du monde. J'ai envie de dire, c'est toujours la même chose comment dire, quand une population a faim, ces icônes seront grosses. Quand une population est très bien nourrie, ces icônes seront maigres. C'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, alors je remonte dans les années 80, où dans les années 80, on avait un peu l'espoir, les businesswomen, tout ça. Et cet espoir, enfin, il n'a pas duré longtemps, hein. On s'est quand même pris une sacrée claque. Et maintenant, on est dans cet univers triste, mangé par les corporations, mangé par la maladie. Donc, maintenant, il faut changer, on va dire, nos idoles, hein. En période de famine, on aime les gens mieux nourris, hein. Enfin, on inverse le truc. C'est vraiment ça. Oui, et puis je pense aussi, Catherine Dufour, elle disait que pour eux, ils se sont rendus compte que le futur avait je la cite, avait une gueule d'accident de voiture. Oui, j'aime Et beaucoup cette c'est, ah, j'aime moi aussi. Catherine a toujours le sens de la fin pour lui. Et je trouvais que c'était très intéressant comme idée parce que, en fait, une fois que les auteurs sont allés au bout, finalement, de ces visions totalement enténébrées, totalement désenchantées, on va retrouver ça, par exemple, dans le livre de, je crois, Jean-Pierre Andrevon, il fait partie de vos invités. Alors du coup, je fais une petite parenthèse. Comme il y avait un Oui. problème sur le streaming, l'intervention avec lui est préenregistrée. Du coup, il n'y aura pas d'échange avec le D'accord. public. Enfin, il n'y aura pas de questions. Mais effectivement, il y aura une intervention samedi en fin de journée de Jean-Pierre Andrevon. Voilà, et donc Jean-Pierre Andrevon dans Le Monde enfin, c'est exactement la situation que nous avons, que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que c'est une apocalypse via une pandémie, donc c'est pas une maladie type SRAS, c'est une maladie qui est plutôt, on va dire, liée à, enfin comme une maladie qui déshydrate en fait les corps et qui fait mourir les gens donc très très vite, qui va toucher la flore intestinale et puis qui va infecter donc le corps humain d'une manière ultra rapide et l'humanité disparaît petit à petit parce qu'elle n'a pas su faire face à cette pandémie et puis eh bien tout simplement nous abandonnons des pans entiers de la civilisation à la nature. Donc le message d'Andrevon il est apocalyptique pour l'humain mais pas pour le reste de la planète. Et je sais pas vous, hein, mais moi, pendant le confinement, quand je prenais ma voiture pour aller voir ma mère qui habite à quelques dizaines de kilomètres, les routes étaient complètement vides et j'avais vraiment l'impression que j'étais la dernière humaine sur Terre. Et je crois que et ça, c'est quelque chose quand on connaît la science-fiction, quand on a vu justement de la science-fiction apocalyptique ou post-apocalyptique, on est complètement saisi par ça. Et de notre côté, les oiseaux chantaient. Et puis les animaux reprenaient possession de ces espaces. Bon, malheureusement, pas pour très longtemps. Mais là, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que
on laisse la place de nouveau à la biodiversité et aux animaux, parce que, quels qu'ils soient, hein, des insectes évidemment aux animaux, parce que ce qu'on appelle ces pandémies qui sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent en fait de l'animal à l'humain, c'est parce que nous empiétons sur le monde animal tout le temps, de plus en plus. Donc ce que tu disais, c'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on reformate notre planète et peut-être qu'on repense tout simplement les espaces entre humains et vie sauvage. Sinon, bien sûr, on court à la catastrophe. Ça c'est clair et net. Et maintenant, elle s'est programmée. Oui, mais c'est vraiment ça. Nous, cette année, on avait choisi le thème Reboot, donc pour le festival. Et le message, il y a quand même un message. Forcément, un festival, c'est un lieu de plaisir, mais c'est aussi un lieu de message. Et le message, c'est ça y est, maintenant, il est vraiment temps d'appuyer sur le bouton de Reboot, parce que de toute façon, nous n'avons plus le choix. Enfin, alors, dommage qu'on ait attendu si longtemps, mais nous n'avons plus le choix. Enfin, c'est maintenant, on est dans une nouvelle phase. Quoi qu'il arrive, on écrit une nouvelle histoire et ce sera pas une histoire voilà de cyberpunk, post-apo et tout ça, ce sera vraiment une histoire de hop punk avec la nature. Il nous reste 5 minutes, donc on n'a pas eu spécialement de questions, donc enfin les quelques questions on les a traitées. Donc est-ce que sur ces 5 minutes, tu peux nous rappeler les dates de la convention à Bergerac, ce genre de choses peut-être? Oui, tout à fait. Alors donc en 2021, en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup beaucoup de choses. D'abord au mois de juin, il y a la RoboCup, donc si vous avez envie de venir voir donc cette compétition de robotique, ce sera je crois à partir du 26 juin. C'est fin juin. Et ensuite, nous faisons du 19 au 21 juin la convention donc, de science-fiction à Bergerac. En août. Du 19 au 21 août, donc la convention de science-fiction à Bergerac, hein, Cyrano. Alors, qui sera quand même, je pense, très orientée là aussi sur l'utopie, parce que nous ne sommes pas très très loin, évidemment, d'ici Jacques, qui est le village utopique de Michel Jury. Et voilà, si les gens ne me connaissent pas forcément très bien, mais je suis une spécialiste donc de l'œuvre de Michel Jury, comme Hugo d'ailleurs, hein, notre ami Hugo aussi aime beaucoup, c'était un grand ami donc de Michel Jury, il l'avait invité lors de sa convention donc à Nyons en 2008, et nous ferons donc un mois plus tard, je pense aux alentours, on n'a pas encore tout à fait décidé de la date, mais je pense que ce sera aux alentours de mi-septembre, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe sur le week-end du patrimoine, et donc oui, je pense que mi-septembre, on vous proposera donc des dates pour le festival. Voilà, assez vite, hein, on va décider ça. L'année prochaine, j'ai envie de dire, on prend au moins 2 fois l'aller-retour Nice-Bordeaux. En août, Et moi, je viendrai. Moi, j'aime beaucoup Nice. Hein, c'est une ville superbe. C'est un pays. Enfin, c'est une région qui est absolument magnifique, très très différente évidemment de l'Aquitaine, puisque les plages sont différentes et puis la géographie est différente. Mais l'arrière-pays niçois. Là, on est entre nous, mais c'est vrai, c'est quand même deux très belles régions de France, hein, je veux dire. Voilà. Ah oui, mais c'est un petit peu de chemin quand même. Donc franchement, si les gens ont envie de se faire petit week-end à Nice et petit week-end à Bordeaux, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc on est pas mal au niveau du temps malgré les couacs de départ. Oui, j'en suis totalement désolée. On savait bien, c'était le premier live. Enfin, je l'attendais presque, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est tombé sur quoi? Donc, on avait fait les tests avant, ça marchait très bien. Voilà, on est d'accord. De toute façon, on y attendait. On a fait les tests. Donc, notre équipe a travaillé assez dur hein, pour appeler tous les intervenants avant et tout ça. Mais bon, on s'y attendait. Toi, on te retrouve demain, c'est ça? Tu as une table ronde avec Hugo. Donc, on ne te dit pas encore tout à fait au revoir. On te dit à demain. Et bien, je pense que c'est tout. On vous souhaite à tous. Je voulais juste dire que il y a aussi un autre, pour vous montrer quand même que nos communautés sont quand même en complète complétude, on va dire. Je me répète un petit peu. Laurent Casey est membre aussi donc du festival Hypermonde. Il vient de publier donc un livre sur Alan Moore, qui est un magnifique livre, et il sera en entretien avec Oui, tout à fait. Voilà, tu fais mieux le programme que moi, je pense que je vais te regarder.
Donc voilà, demain vous avez Hugo Bellangamba qui interview voilà Laurent Kessy et vous avez Natacha qui sera en table ronde avec Hugo toujours. Voilà, et d'autres et donc vos autres participants sur le monde d'après justement. Donc ça va être très intéressant. Ouais, ça va être chouette. Donc merci voilà. À toi Natacha et à demain. Et merci à vous de l'invitation et puis à très vite aussi pour Hypermonde. Tu sais que maintenant tu es chez toi à Nice Fiction, il y a pas de. Ouais, mais je le savais un petit peu avant Cyril aussi. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à vous tous. On continue. Donc voilà, c'était notre premier live. J'espère qu'on vous a pas trop affolé. À plus tard. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.